Salut tout le monde, aujourd'hui les jambes avec Camille qui est en train de s'échauffer. Donc vous avez vu, j'ai fait une vidéo avec Arthur où on a fait les bras. Une deuxième vidéo avec Ben où on a fait les pectoraux. Et aujourd'hui c'est parti pour les jambes. C'est parti pour le premier mouvement, donc squat large, squat sumo avec kettlebell. Alors on récupère le poids en position de squat et c'est parti. 1, 2, 3. Très bien, normalement le poids doit venir frôler le sol et comme vous pouvez voir, on garde le dos droit et on baisse légèrement la tête. Exactement, pour avoir une ligne droite à l'arrière. Attention quand vous faites votre squat, à ne pas avancer les épaules et se faire embarquer par le poids. Gardez toujours les épaules derrière, le ventre rentré pour protéger la colonne. Très bien, combien de répétitions? Très bien, on continue, on fait 20 répétitions sur le premier exercice. Très bien, on va frôler le sol. On travaille l'amplitude et dès qu'on finit avec la 20e répétition, on pose au sol et on lâche le poids. Venez pas resserrer les pieds et poser le poids parce que généralement c'est là où on se fait mal. Donc quand on pose le poids, on relâche tout. On va enchaîner avec le hip thrust pour les fessiers. Alors le hip thrust, on va le faire sur une barre guidée. Donc nous, on a ajouté un tapis pour pas se faire mal au niveau des hanches. Donc comme vous pouvez voir, on vient monter au plus haut. Donc bassin aligné avec les genoux et les épaules. Et par contre, vous ne descendez pas trop bas pour pas vous faire mal au niveau du bas du dos. Pour poser, hop, on l'accroche. Très bien, parfait. Alors, on vient décoller la barre en poussant sur les talons. Hop, on décroche et on y va. Donc là, on va aller chercher le maximum de répétitions que Camille peut faire à ce poids-là. Donc là, 2, 3 avec celle-là. 4, très bien. 5. Sur la montée, venez contracter les fessiers volontairement. D'accord? Ce qui vous permet de relâcher un petit peu les lombaires et de vraiment sentir le travail sur les fessiers, les ischios et aussi un petit peu les quadriceps. Si vous sentez trop les quadriceps, on doit avancer les pieds. Alors, combien? Allez, encore. 13. Ça passe, ça passe. 14. Et 15. Thank you.
Troisième exercice. Alors, si dans votre salle, vous avez le leg curl, vous savez où vous ramenez le talon vers les fesses. Vous pouvez faire le leg curl à la salle. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Vous récupérez un Swiss ball. Vous venez décoller le bassin et on ramène les talons vers les fesses. On allonge et on ramène. Exactement. Et là, normalement, tout de suite, on sent les ischios. Pas vrai? Ouais. Allez, on y va. Très bien. Excellent. On décolle bien le bassin. On allonge bien. Attention à ne pas tendre les jambes non plus pour ne pas se faire mal au niveau du genou. Mais là, le mouvement, il est bien. Excellent. Combien? 9. Allez, encore. 10. 11. Très bien. 12. Abdos toujours serrés. 13. On continue. 14. Une dernière. Et top. Aujourd'hui au niveau des jambes, donc Camille va faire les fentes marchées, exercice un des plus connus en salle et que tout le monde déteste. Ouais. Donc c'est parti, on récupère les poids, très bien, un pas en avant et on descend le genou, frôler le sol, très bien. Voilà, comme vous pouvez voir, vous pouvez tourner les poids, donc pour un meilleur équilibre, on fait demi-tour et on repart. Très bien, on a 20 répétitions comme ça. Excellent. Attention à la taille du pas, pas faire trop grand pour pas se faire mal au niveau du psoas. On continue. Plus vous restez droit, plus vous sentez les quadriceps, plus vous penchez en avant et vous emmenez la poitrine vers le genou et plus vous sentez vos fessiers. On continue. Très bien. Et normalement, il te manque encore un aller. Oui, on repart. Pour 4 répétitions pour faire les 20. Très bien. Attention à ne pas trop lever la tête pour ne pas perdre l'équilibre. On garde une belle posture tout le long. Bien.
merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci à Camille d'être venu faire la séance. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une séance avec Seb, normalement, pour la séance dos. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée.